Salut à tous, c'est Zertek. Aujourd'hui, on se retrouve pour une chasse à l'homme, les gars, et c'est parti. Je suis avec Michel pour vous expliquer. Il faut qu'on s'échappe. Là, pendant 3 minutes, il ne bouge pas. Et avec Michel, la seule manière de communiquer, les gars, c'est comme ça. Coucou Michel. Ouais. Ça va être hyper compliqué, les gars. C'est le premier qui nous arrête, gagne un booster. Mec, il faut vite qu'on change de voiture et de skin. Y a pas le choix. Mais par contre, on peut pas laisser la voiture à côté du skin. Ils vont savoir qu'on a changé de skin. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, c'est ça. Bonjour monsieur, désolé. Ok, viens, dépêche-toi. Go changer de skin de suite. On aurait dû payer un mec conduire la voiture peut-être. Oh, pas bête. Attends, on va le faire après. Ok, je change de skin. Les gars, il me faut la thune parce que j'ai pas de skin. Hop, retirer 500 000. Indiscret. Ouais, comme ça. Je vais mettre un accessoire parce que pareil, ils vont se dire que ouais, le mec il a pas pris le temps à mettre un accessoire et tout le bordel. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je suis pas sûr en vrai. On y va. Vas-y, go. Faut pas en mettre beaucoup. Faut pas qu'on se mette là. Faut vite qu'on trouve une voiture et qu'on aille se cacher le plus vite possible. Bonjour monsieur, bonjour. Je vous achète votre voiture s'il vous plaît. Je te donne 50 000. Tu nous la te passes. Vas-y, vite, ça me va. Tiens mon frérot, merci mon bro. Mais qu'ils vont voir quelqu'un qui sait pas conduire, ça va être bon, forcément. Fais gaffe mec, quand tu vois la police, on arrête de parler. Ils arrivent. Ils sont tous devant. Là on arrête de parler. C'est chaud, c'est chaud de ouf les gars. Mec c'est chaud. Attention parce que la voiture elle a pas beaucoup de vie hein. Ouais. Je m'excuse. C'est chaud les gars, c'est chaud de ouf. Oh mec, tu veux que c'est trop stressant. C'est chaud de ouf hein. Excusez-moi monsieur, ça va monsieur? Monsieur? Merde. C'est trop chaud. Non, Michel, faut qu'il vienne me récupérer. Monsieur, s'il vous plaît. Non. Bien joué mon bro. Des menottes à moi et puis continue la traque parce qu'il y a Michel, je te rappelle. Donc je t'invite à te dépêcher. Déjà t'as gagné un booster. Et vas-y, bon courage à toi pour essayer de trouver Michel hein. Vas-y. Yes, merci. On va se mettre en mode admin les gars. Et puis on va aller checker Zachary, où est-ce qu'il est le petit? Il est là, il est à côté mec. J'ai été chopé. Il s'est échappé comme un lâche le bâtard. Il aurait pu se sacrifier pour moi. Il a été grillé je crois. Mais non, il a été grillé. Martin il a grillé. Il conduit mieux que moi les gars. Il conduit beaucoup mieux que moi. Oh non, Romain il a compris. Il a compris Romain. Il a totalement compris qui c'était Romain. Zachary les gars, c'est Michel Dupré. Oh putain. S'il s'enferme, il est mort. Oh non, il réussit à s'échapper. Mais ça, la voiture de Martin elle va se péter avant. En fait, il faut qu'il réussisse à ce que Michel Dupré se pète la gueule. Ouais, c'est bon, il est mort. Parce que je vous explique un truc. Ils voient que Martin et Romain le suivent. Et vu qu'ils vont voir que Martin et Romain le suivent, ils vont suivre Zachary. Ils vont comprendre que c'est lui, moi ou lui. Oh là, la voiture qui se sent péter. J'y crois pas. Mais Michel, mon gars, il fait un carnage. Mais non, les deux voitures qui se sont entrechoquées et qui pètent les deux. Michel, il faut vraiment qu'il change de voiture. S'il change pas de voiture, c'est dead. Mec, cette chasse à l'homme, elle est incroyable. Si Romain l'a pas perdu de vue. Oh, oh, oh putain. Ouais, ça va, Stano, qu'il lui passe les menottes et qu'il gagne. Putain, j'y crois pas. Allez, mon frérot. Mais non. Putain, j'ai le seum. J'avais trop bien géré. Mec, t'avais géré, mec. Bon, mais les gars, j'avoue. GG Romain, tu gagnes le booster véhicule et skin. Mais moi j'ai déjà été arrêté. Les coyotes. Les gens, bon ben voilà, on a été trouvés les deux. Honnêtement, c'est. Mec, on est sous pression, on voit des véhicules de flics partout. Bah oui. C'est ouf. T'es sous pression de malade, quoi, c'est incroyable. Et je vais vous poser 2-3 questions juste comme ça. Eric Tululu nous a. M'a trouvé à moi, il a gagné un booster dans Berne du coup. Et Romain Avastano, ben, t'as gagné un booster véhicule et skin parce que t'as chopé Michel. Est-ce qu'il y en a un ou deux là qui ont une petite anecdote? Anecdote un peu croustillante là. Genre on poursuivait du coup avec Romain la Golf GTI rouge. À un moment j'ai entendu Michel parler et je me suis dit mais je reconnais pas cette voix, je me trompe depuis tout à l'heure et j'ai pas reconnu le skin non plus. Et du coup bah j'ai fait demi-tour et je me suis dit bon j'abandonne, c'est pas lui. Et j'ai cartonné avec un autre flic et voilà. Ah putain, une boule MDR, j'y crois pas. Revenez de cet endroit, du coup on va faire une deuxième manche. T'es prêt Miss Fish? Ouais je suis prêt. Mais attends, on établit juste un petit plan d'action. On a juste un petit plan d'action. Mec, on change de skin, ça c'est obligatoire. Peut-être qu'on prend pas de véhicule en vrai. Mec écoute, pour la dernière mec viens, on prend pas de véhicule. Non mais tu sais qu'est-ce qu'on fait, sorte de braquage, genre comme s'il y avait un braquage. Ou même on se met sur un braquage. Oh putain,
se met sur un braquage de banque de ouf, mec. Ils sont, les gens, ils vont jamais venir au braquage de banque. Bah oui, ils vont vouloir nous trouver. 3, 2, 1, vas-y go, mec, je démarre. C'est parti, on se parle quand je. Garde la voiture à côté HM, de toute façon, ils savent qu'on va changer de skin. Ils savent très bien qu'on va changer de skin. Il faut absolument lancer un braquage le plus vite possible. Ils vont jamais croire que c'est nous. Ah là maintenant ? Oui, le plus vite possible. Ton accessoire, enlève-le. Faut juste me dire où tu veux prendre les armes et faire vite. Ok, c'est moi, j'ai changé. Viens, viens, viens. Monsieur, vous venez dans un braquage de banque avec nous, je vous jure, je vous donne 5 000 $. Mais faut. D'accord, mais faut vite venir, monsieur, maintenant. C'est vous qui ferez que le négociateur, t'inquiète pas, mon chou. Vas-y, mais je fais ce qu'il y a à faire. Vas-y, viens avec nous en bas, on va t'expliquer, faut vite qu'on descende, viens, viens. Mais faut des otages, il faut des otages. Viens, on a pas de lockpick, faut un coup de crosse ou autre. Oh merde, ouais. On est un monsieur. Ouais, vas-y, lockpick, go. Oh, parfait. Nickel. Dépêche-toi. Toi, tu viens. Mais qu'il faut qu'on descende, Allez, dépêche-toi. Go, suis-le, vas-y, descends. Assurez-moi, jamais vous nous trouvez. Dépêche-toi, là, avance-toi. Ok, j'ai 390, les gars, je suis une grosse kékette, j'ai aucun IM. Ça va être très compliqué de gérer ça. C'est bon, c'est ouvert. Vas-y, let's go. Allez. Ouah, mec, c'est chaud, je suis. Alors, déjà, toi, vas-y. Ouf, dépêche-toi. T'es un otage, tu t'es frérot, tu te dépêches, tu vas là-bas. Dépêche, t'es otage. Allez, mon gros. Allez. Ok, écoute. Tiens, je te donne une arme. Gros, toi, tu seras le négociateur pendant le braquage. Tu ne prononces jamais nos noms, nos prénoms. T'es juste avec des collègues, t'es avec toi, tu ne prononces jamais nos noms, nos prénoms. On est recherché par, je ne déconne pas, écoute-moi bien, 20 flics. Il ne faut surtout pas qu'on nous trouve. Donc, tu négocies, dès qu'il y a des flics, tu négocies normal. Surtout, il ne faut pas qu'ils nous trouvent. Allez, dépêche-toi, va en haut, vite. Et attends déjà, tu fais comme si tu négociais. Contre le mur, toi, dépêche-toi. Tu bouges plus, genre, tu restes là, toi, c'est un vrai braquage. Ok. Venez, rentrez. Dépêche-toi. Allez, vous allez dans le coffre. On te fait confiance, frérot. Dans le coffre, dans le coffre. Allez, on se dépêche, les gars, on se dépêche. Oui, c'est ça qui est en bas. Vous allez être nos otages. Oh, les gars, c'est chaud. Mec, on a fait flic à notre cul. On a fait flic. Putain. Allez, on se dépêche. Allez. Michel, faut les fouiller. Ouais. On aurait dû faire cette technique, mais cette technique, on aurait dû la faire pour la manche à pied, quoi, putain. Ça va être chaud. Eh les gars, attendez, n'écrivez pas. Je sais très bien qu'il y en a certains d'entre vous qui m'ont reconnu, qui ont reconnu Michel. Là, à l'heure actuelle, il y a 20 flics à mon cul et au cul de Michel. Je ne déconne pas, il y a 20 flics à mon cul et au cul de Michel. Pas venir au braquage. Pour le plus. Bonjour, monsieur. C'est comment? Vous faites quoi ici? Découverte. Mais mec. Yes. On négocie tous. Monsieur, je suis pour négocier. Wow. Mais non, mais c'est de la triche! Mais vous faites quoi là? Non, c'est pas possible! Pas comme ça! Non! Oui! Non! Mais non! Putain, mais non! Je crois que Michel est toujours libre, les gars. Foncez, dépêchez-vous. Je crois que c'est pas vrai, Michel. Bah, Francis, t'as gagné un booster d'Ampère, mais dépêchez-vous. Oh, let's go, merci. Bon, Michel, t'es où? On m'a tué. Qui t'a tué? Les policiers. Mais non, ils se sont trompés, mais il faut que tu te revives. Ouais. On a dit que si tu mourais, tu te revives et puis c'est reparti. Ok, reparti du coup. Putain, je suis deg. Bon, mais Francis, il a gagné. Je continue du coup. Ah oui, toi, tu continues. Ils te cherchent. On leur a précisé, genre, vous êtes pas au courant parce qu'on a fait le débrief avant, mais en gros, on leur a précisé que si on mourait, on se revive. Et ensuite on continue la course. Mec, c'est giga chaud. Pile poil je parle. Mec, il a vraiment entendu. Et j'ai la voix tellement reconnaissable. Fini. Bah, je suis deg. Bah, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent, les gars. Ok, Mich qui est là, les gars. Mich qui est en rouge. Pour le moment, zéro flic. Il est mute. Et Michel ne m'entend pas, les gars. Il est mute. Non, ce serait pas marrant. Ce serait pas drôle. Et voilà. On est au concessionnaire, s'il vous plaît. Attendez, vous êtes nouveau avec une voiture comme ça là? Il a entendu. Ouais, bah voilà, il y a la police. Arrêtez-vous. Mec, mort. Monsieur, faites voir votre carte d'identité là. Faites-moi voir tout là.
Monsieur, écoutez, monsieur, je vous embarque là. Il a gagné. On embarque le mec. Oh, je vais chercher les autres, je vais chercher un autre. Bien joué, Enzo. C'est pas moi que t'as rien noté, c'est Michel. Oh putain. Bah ouais. Ah, c'est comme ça. T'as rien dit, booster. Il y a pas beaucoup de mecs en gauntlet, c'était sûr et certain, frérot. Il y avait personne en gauntlet. Mais t'es, c'est pas ma voiture, MDR, je voulais juste voir si elle était ouverte. Mauvais go avec eux, mec. Dernière. Je l'ai trouvé trop rapide, ouais. Ouais, de ouf. Mec, forcément, il y en a, ils se sont dit. Mais attends, mais c'est sûrement eux. Genre, ils ont rushé, ils ont même pas attendu que le mec il parlait. Il a dit, ouais, vas-y, rush. Mais j'en étais sûr. Mec, genre, généralement, il n'y a pas un mec en haut, ils sont plusieurs. Ouais, les gars, bien joué à Francis qui m'a trouvé en bah, moi. Merci. Et bien joué à Enzo qui a trouvé Michel. Merci. Ouais, Enzo, c'est GG. Alors, comment vous expliquez que le braquage de banque, c'est nous qui l'avons lancé. Et les gars, putain. J'étais sûr. Non, Pigus, tu l'avais dit. Il y en a dans le box qui a dit c'est peut-être les otages. Et là, du coup, on en fait une aïe. Tout le monde de A à Z va être à pied. Nous, genre, c'est facile, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de rester plus de 10 secondes dans une voiture. On n'a pas le droit de remonter dans la même voiture. Mais vous savez quoi, on va se mettre centre-ville. Putain, moi et Michel directement, vu que c'est à pied, ça va être un peu plus long sinon. Derrière ça, dès qu'on quitte ce channel, je vous dirai go et vous pouvez arriver. À toutes. C'est parti. À toutes. Allez, on part. OK. Je suis prêt. Ah bon, c'est bon, j'ai déjà changé. Est-ce que par hasard, on leur ferait pas un petit piège en mode on change nos noms et s'ils nous demandent la carte d'identité, on leur montre et c'est pas notre vrai nom. T'es encore mieux, on se balade avec la carte d'identité à la main. C'est toi avec le permis, toi avec toi le permis, moi la carte d'identité. Mais go, vas-y, viens, il faut qu'on change de nom. Vas-y. Mais qu'on a 5 minutes. Mais que jamais ils vont se dire qu'on se baladerait avec nos cartes. Mais c'est pas bête l'idée du SDF. Genre on s'assoit quelque part, on met un texte-ring et on dit donnez-moi de l'argent. Et on parle pas. Mais que jamais ça marche. Mec. Quelqu'un qui fait ça, gars, je sais direct que c'est toi. Prends ton permis en main. Prends ton permis en main, je prends la carte d'identité. Ouais. Viens, on se sépare. Ouais, en hôpital, je parle à la carte riche, on se retrouve dans la forêt. Forêt anima, biologiste. Les gars, c'est chaud, les gars. Là, ils vont tous arriver à Yep. Ça veut dire que là, ils vont prendre le temps de bien poser les questions. J'espère que cette technique va marcher, mais ça m'étonnerait. En fait, ils vont demander à parler. Et si je parle, je suis dead. J'arriverai jamais à savoir si ma voix, on me reconnaît pas ou pas. Putain, mais à mon micro, ils vont me reconnaître. À la qualité. En fait, il va falloir qu'on se déplace. Forcément, on va se donner d'un point A à un point B. Et il faut qu'on soit séparés. Ok, bon, déjà, je suis dans la forêt. C'est bon, c'est cool. Ok, Mich. Oh, tu m'as fait peur, je t'ai arrêté. Mich. Attends, viens. Ok, frérot, on se retrouve Komiko. Prison, on s'enferme. Ah ouais. Par où tu passes le tunnel ou tu passes par le centre-ville? Go passer par l'hôpital. Vas-y, viens, mec. Vas-y, viens. Ok, vas-y. Ah, tu peux construire? Oh frérot, on va se faire niquer. Ouais, mais c'est chaud là, mec, centre-ville. Il y a deux personnes à suivre, je vais se partir et je pars de l'autre côté. À la limite, tu pars à droite, moi je pars à gauche, ou je pars à droite, et toi tu pars à gauche. Chut. Mange à droite. Il fouille les maisons. Viens ici, chmiche, viens ici. Parce que sinon, il va voir s'il passe là-bas. Ah ouais, mais est-ce que tu crois qu'on peut passer par là? Je crois qu'on peut passer de l'autre côté. Je sais pas. Les gars, c'est chaud de ouf. Faut qu'on réussisse à aller aux prisons. On se met chacun dans une cellule, comme si on était arrêté. Je sais pas, mais je vois personne. Ok, vas-y. Ouais, le tunnel, ça va être tard, quoi. Faut qu'on se sépare obligatoirement. On peut pas rester ensemble. Allez, let's go! Putain! Eh ouais! Mais non! Eh ouais, man! Vas-y, démenotez-moi, GG à toi, frérot! Mais oh, tu sais comment je t'ai vu? Comment t'as fait? Bah, en gros, si tu veux, avec le casier de la police, on peut avoir les skins. Bah, du coup, depuis le début, on regarde les casiers de la police. Et là, j'ai vu ton skin, je me suis dit, ah, mais. Ah, vous êtes malin! T'invite à chercher let's vite go. Michel, hein, parce que c'est pas fini du coup! Vas-y, gros, ouais. Déjà, t'as gagné le booster, hein. Putain, on n'a pas pensé à ça! Comment il s'appelait, Hubert? Ouais, parce qu'on a changé de nom, je vous rappelle. Trop malin pour nous. Vraiment, genre, c'est incroyable. Est-ce qu'il est rentré? Ok, il a réussi. Mais mec, faut qu'ils se mettent dans une prison. Michel, va dans une prison, putain. Oh, tu m'as fait flipper, bâtard. Ouais, mon ref. Oh, tu veux pas me sortir de là? Non, je vais être en prison, moi. Mec, il est trop bien là, Michel. Jamais ils vont le trouver, c'est pas possible. Mec, tout le monde cherche. Je vais leur dire que moi j'ai été trouvé. Vous savez quoi? Je vais aller en vocal avec eux, je vais aller leur dire. Eh les gars, sachez un truc, c'est que moi j'ai été trouvé. Il y a toujours Michel. Il a mis en place un plan qu'on était censé faire de normalement. Mais du coup, je me suis fait trouver avant. Donc bon courage à vous. Et il reste quand même un booster à gagner du coup. Bon courage, les gars. Ça va être chaud. Ils vont chercher Hubert Despo. Je vous rappelle que c'est Michel, les gars. Je pense que c'est un des premiers trucs que je pensais, moi, pourtant. J'ai pas eu de chance. En fait, juste avant que je
change de nom. Il avait déjà cliqué sur le casier. Donc je suis dégoûté. C'est pas grave, c'est le jeu, c'est le jeu. En vrai, c'est le premier truc auquel je pense. Mais c'est vrai que je sais pas si j'irai jusqu'à chercher la prison. Moi, le seul truc que je dis, c'est que à un moment, j'étais dans le tunnel, j'étais en train de courir devant. J'ai ma mère qui arrive, qui me donne à manger. Je dis, vas-y, je pose à côté. D'un coup, quand je reprends. Les gars, je le fais pas confiance à 100% à Zartek. Zartek, il a toujours eu des mauvaises idées. Moi, je vous le dis, hein. Zartek, ses idées, ça a toujours été mauvaise. Bon, les gars. Oh, il y a un flic. Oh, la masterclass. Les gars, il y a un flic. Il y a un flic juste derrière. Je crois qu'il vient de taser Zartek, les gars. Je vois un taser, je dis, oh, il va se faire niquer. J'ai tracé, personne m'a suivi. Je me suis fait. Super chiant. Mec, je me suis fait. Et j'ai pris le screamer de ma vie. Je déconne pas, gars. Parce qu'en fait, il y a deux flics qui passent. Je me mets sur le côté, je me mets derrière un arbre. Et là, j'entends, paf, mec, je tombe. La frayeur de ma vie. Tu sais quoi, je t'explique maintenant comment ils ont fait. Et la poisse que j'ai eue. Dans le casier police, ils peuvent mettre le nom, puis ils voient le skin. Ah ouais, mais en plus, même dans le tueur à gage aussi. C'est ça mais... que j'ai dit, c'est dans le tueur à gage. Mais on a changé de nom. Comment ils nous auraient trouvé en vrai? Pile poil quand j'ai... Oula, attends. Pile poil quand j'ai mis... Pile poil... Attends deux secondes. Quand je me suis mis... pile poil un truc... Oui, t'as tout compris pourquoi je dis oula. Mais en vrai, je crois que c'est un policier qui joue vraiment RP. Il amène quelqu'un en prison, en fait. Il amène juste tranquille quelqu'un en prison, regardez. Ah, il s'est caché. Il est con, il faut pas qu'il se cache. Faut qu'il soit naturel. Ça va être grillé de suite. Faut qu'il fasse la FK. Mais dis pas qu'il s'est barré. Mec, démute-toi. Fais plus jamais ça, gars. Mets-toi tout droit et fais genre t'es AFK. En attendant, t'as pris ta peine de prison. Ah ouais, c'est vrai, putain, t'es pas bête. Là, le mec, il ouvre, il te voit accroupi, il sait que c'est toi. Bah oui. Tu vois, forcément. Pour finir mon histoire, Martin, il a regardé mon skin pile poil avant que je change mon nom. Oh le bâtard. Et il a vu mon skin. Du coup, il sait pas pour moi encore. Et du coup, toi, ils savent pas. Ça cherche bien. Et là, pour le moment, le seul flic qui est venu, c'est un flic qui n'a rien à voir avec l'action. Ah, Michel. Ok les gars. Bonjour. Il est FK. Mec, s'il le menotte, c'est dead. j'ai le steam. Faut qu'il menotte. Faut qu'il menotte. Mes collègues, parce que moi je suis très gentil. Je suis quelqu'un qui partage. J'ai déjà un booster d'armes. Ah, j'y crois pas. Ah, c'est un bon. Donc là, j'ai mes deux collègues qui arrivent. Nishvish, t'es mort. Je suis quand même très gentil de les appeler. Parce que là, je pourrais me faire deux boosters gratos quoi. En fait, en gros, si vous voulez, il a steamé à Michel. Et juste, il le vise et il appuie F1. Et du coup, ben regarde, ça c'est pour signaler un joueur. Donc du coup, tu vois le steamé du joueur. C'est sa seule solution, Michel. Sa seule solution, c'est de fuir. Il est dead, il est bloqué. Il a le grappin. Dis-moi qu'il a le grappin, Michel. Ouais, non. Il va plus prendre le risque, il va le menoter. Et du coup, il va gagner le booster. Ouais, voilà. Alors, je vous menote, monsieur. Bien joué à moi. Ah, c'est Francis qui gagne. On arrive Discord. Moi, j'ai été trouvé. Nickel, les gars. Bon, les gars. Bien joué à vous. Mais il était caché où, MD? Alors, je vais vous expliquer un truc. Genre, t'es en train de se balader. Et puis là, je fais à Michel. Michel, je sais ce qu'on fait. On va en prison, on se met en prison. Putain, j'allais le faire. Vous êtes des bâtards, les gars. J'étais allé l'hélicoptère. J'étais en train de check le camp. Entraînement de jurés. J'ai pensé en plus à y aller au camp. Et le temps d'y aller à la prison, mec, il y a deux flics qui passent devant moi. Je me cache derrière un arbre. Les deux flics, ils me voient pas, ils tracent. J'ai pris le screamer de ma vie parce qu'Astro, il arrivait sur le côté, il m'a tasé. Et sachez un truc, c'est qu'il y avait Michel à deux pas derrière moi. Faire simple, on était dans le tunnel, on commençait à revenir vers l'hôpital. Et Azartek a pris une grande avance. D'un coup, j'ai ma daronne qui arrive, qui me donne à manger. Je dis, bah, vas-y, j'avais qu'à deux secondes, vu que je suis dans le noir, c'est bon. Je pose mon plateau. D'un coup, je reprends la course. Ouais, j'entends taser. J'étais en mode, oula, je sais pas qui c'est. J'étais en mode dans le rec. Ouais, je sais pas qui c'est. J'espère c'est pas Azartek qui touche. Retourne, je vois pas Zartek, je suis en mode, ah c'est bon, c'est lui qui s'est fait choper. Pire dans tout ça, c'est qu'à un moment, j'étais dans la prison, je sais plus bah, qui c'est, je crois c'est Francis du coup qui m'a trouvé, ouais. Qui m'a dit, ouais, je vais le laisser à un collègue, le premier qui arrivera, t'inquiète, y'a pas de soucis, je fais genre FK. Je trouve le moment de m'échapper de la cellule, je me dis, il va pas me taser, il va pas m'arrêter, au moins il le donne à l'autre. J'allais faire quoi, Francis? Et t'as de la chance que j'ai pris la mauvaise porte. Si je voulais prendre, j'avais le grappin, j'aurais sauté de la prison avec le grappin, je serais descendu. Je t'aurais suivi au grappin. Mais c'est tellement dur en fait. Remercie les gars. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais la bise. Abonnez-vous surtout et rejoignez-nous sur Twitter.